beaucoup Tapote sur là parce que ça fait un moment que je pas eu le temps de parler avec vous et aujourd'hui je me suis permis de pouvoir voir un peu faire un peu le point sur la situation de la RDC et nous devons savoir où est-ce que nous allons qu'est-ce qui se passe donc on a merci bisque et ça, un peu euh, la minute au bâtiment, vous comprendre l'été. Donc, il y a merci, euh, M. Patient, à Sibou, euh, merci, Nambo Tenayo. merci. Et beaucoup de sur Et puis, euh, tout sur là, parce que c'est important, tout ça la ben, mise au point, pour toute la position. Voilà.

Mais le Congo est pour nous tous et pour tous les peuples congolais. Nous devons euh, s'occuper de notre pays, nous devons trouver des moyens, des solutions. Pour mon changement, il y a un Congo, il euh, faut bah, voter, mais bon, pour l'abuser, il faut voter, et nommer. Nous avons combattu depuis longtemps euh, les systèmes de Joseph Kabila. Et nous arrivons à un moment où euh, nous sommes rendus compte que. Euh, la Kabylie est toujours là, mais la, la Kabylie s'est métamorphosée. Et nous n'allons pas nous tromper de notre combat, nous allons continuer notre combat. Parce que aujourd'hui, euh, tout le monde a des situations terribles. Donc, euh, je suis venu parler aussi euh, du tribalisme. Le tribalisme, est a tellement es d'amboukas. Et nous avons vraiment envie de bloquer euh, ces systèmes de tribalisme et ces sentiments, ces mauvais sentiments. Coucou, merci. Merci Claude Yenga, euh, merci bonjour à vous tous qui êtes là. Euh, je pense que nous devons euh, vraiment discuter de la situation du pays. Donc voilà. y a faut que faut que Nous devons au contraire être prudents parce que. Nous sommes en train de remarquer quelque chose. Quand vous exprimez quelque chose, les gens viennent parler, viennent dire de blabla, bla, n'importe quoi. Il faut arrêter euh, vraiment euh, de pouvoir euh, euh, ne pas comprendre les enjeux de la RDC. Merci, M. Diaz Merci pour Nambotenayo. On attend toujours de la bande de Gobaya, Bakota. Donc, à vous battre sur pour les important. aeterrialors lobi na pibliaki elogo mogo na mir na ngai j'ai bien suivi euh, le meeting de martin fayolu et je vis euh, bonjour Moukeni, moukena pardon bonjour jéremi coukou merci euh, jai voulu sement savoir que na faire comprendre j'essaye en de relayer les messages quand j'ai relaye le messages Eh ben, j'ai vu, il y avait, un groupe de gens qui sont sur les nets pour pouvoir, je ne sais pas quel est leur rôle, mais c'est qu'ils ont, ils sont en train d'oublier de, de, que nous sommes des Congolais et que nous avons le droit de dire nos, nos opinions de ce que nous pensons. La situation du pays n'est pas ce que nous pensons. La situation est quand même grave. Alors, les lobbies, ont ouais, c'est Non, on ne peut pas réfléchir comme ça dans la vie. Nous ne pourrons pas continuer à réfléchir euh, comme des de, de, de gens qui n'ont pas de cerveau. Nous devons nous faire, de, nous devons devenir un peuple. Un peuple, celui qui tient sa destinée. coucou. M. Jacques coucou Pandi. Merci Elie, Salvador. Donc, nous devons comprendre les, en, les enjeux de notre pays. Et là, on a qu'on réagir. Ah, d'abord, Isalie le cambriolisme, Nathalie nomination. Comment vous pouvez m'expliquer? Nous n'aimons pas croire le régime. Oui, on a pour bien Merci. Coucou, il faut Nous ne pouvons pas dire des choses au contraire en même temps tout ça. Là, je me dirais ceci, ici que mes frères, il faut arrêter Vous devez arrêter vos bêtises sur le net, hein? parce que nous tous, nous ne sommes pas censés ou nous ne sommes pas obligés de vous suivre. Nous avons vu ce qui s'est passé au Congo. C'est quand même très grave. Au niveau international, peut-être vous ne comprenez pas. Jusque-là, plusieurs chefs d'État, plusieurs personnalités n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à vous approcher parce que euh, le, 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 ce qui s'est passé, c'est pas normal. Et nous pourrons pas dire qu'on nom de construire les peuples ou les pays, pardon, nous devions nous mettre ensemble. Non. Nous devons, pour se mettre ensemble, il faut avoir l'idéologie, il faut avoir la vision. Un chef d'État doit avoir une vision pour savoir où est-ce que j'amène un peuple. Mais les problèmes aujourd'hui, nous nous, 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 nous nous rendons compte que la situation est toujours statutaire. C'est toujours ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans le système Kabila. Il ne faut pas rêver. Kabila, vous croyez qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Il, il s'est par, permis de tout détruire et de faire ce qu'il lui veut. Et il y a des gens qui sont faibles, qui sont partis se jetés dans ses bras en disant que nous allons, nous, nous allons les combattre de l'intérieur. Mais non. Quand vous dormez chez vous, quand vous parlez dans vos bureaux, quand vous êtes partout, mais Kabila vous surveille, tout est, toutes les, tous les appartements, tout ce que vous, vous, vous faites, vous faites là, tout est, Il y a des micros, il y a partout. Vous ne savez rien du tout. Et quand vous nommez, par exemple, euh, monsieur, celui qui est comment euh, 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 le monsieur qui euh, comment les, les chargé de de la sécurité les Kabila. Les nommer, par exemple, M. Béati, on les nomme comme un conseiller spécial en matière de, 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 de sécurité. Mais c'est grave. C'est très grave, parce que la sécurité, c'est ça qui fait que le président soit vraiment protégé. La sécurité, c'est ça qui représente que les, tous les services du monde parlent avec la sécurité d'un président. Mais quand vous prenez la même personne, vous le renommez encore. Ça fait des années, ils étaient avec Kabila. Ils ont rien fait. Et aujourd'hui, vous allez prendre la même personne, le nommer encore. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Alors, ce que j'aimerais dire ici, nous devons nous faire des hommes. Nous devons prendre notre pays vraiment au sérieux. Nous ne sommes pas obligés de vous suivre. Nous ne sommes pas obligés de dire oui et amen. Et je ne pense pas que je, veuille, je vais vous faire plaisir en écoutant ou en acceptant comme ça, avec toute courbette, ce que vous proposez ou ce que vous dites, parce que vous avez les pouvoirs. Non. Il faut déjà savoir comment ce pouvoir est arrivé. Dans le pouvoir qu'on vous a confié, il y a ce qu'on appelle fraude, il y a tricherie, il y a usurpation, il y a la nomination. Qui n'a pas vu Pourquoi dans le monde civilisé on utilise par exemple des sondages On utilise tout ça. C'est vraiment c'est des, des baromètres pour que nous arrivions à savoir ce qui va réellement se passer au pays. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Congo mais c'est ce qui s'est passé au Congo mais c'est quand même grave on ne peut pas se permettre de dire que oui a un a a un a qu il y a à pouvoir y a des gens qui parce a mais côté il qui tu ne sais pas mais tu ne peux pas aller directement et quand je vois les gens qui ne réfléchissent pas quand vous avez votre opinion ils viennent dans l'intérieur ils viennent dans ton mur ils commencent à t'insulter, et parce que et tu verras tous ces gens là ils sont de même tribu et moi je le dis sincèrement ici je vous ai déjà donné l'avertissement il y a quelques mois. Je vous ai dit, faites attention, le terrain où vous allez, c'est un terrain glissant. C'est le pays qui va être endommagé. Il y en a d'autres qui me menacent en me disant, oui, vous allez dans mon mur de François Mboukou, vous allez voir ce que moi j'ai écrit. J'ai tout simplement relayé l'information de ce qui s'est passé hier au meeting de Martin Fayoulou. Moi, je le dis sincèrement. J'avais rencontré Martin Fable à Paris plusieurs fois, deux, trois fois, je lui ai dit ce que je pensais et il sait ce que je vaux. Mais ces idées, c'est des idées qui correspondent à ce que nous pensons pour la République de demain. Donc je ne suis pas obligé de suivre votre voie où il y a l'isurpation, où il y a vraiment la situation, où il y a vraiment le mal quoi. On voit. Et déjà, je vais vous dire, soyons reconnaissants dans la vie. Ce n'est pas au nom du pouvoir que nous tous nous allons dire Amen. Non. Et ce pouvoir qui a été pris, dans quelle de quelle façon ce pouvoir a été pris, de quelle façon nous sommes en train d'exercer ce pouvoir. Et nous, nous allons dire ceci. Nous sommes d'accord de venir et construire le pays comme les autres. Ils disent « Oui, boy, il y a caca, tout ça, la caca. Mais non, Congolais, respecte-toi au moins. Arrêtez de, faire, de, de vous faire comme des petits hommes. Arrêtez, s'il vous plaît. Respectez-vous. Devenez un peuple. Un peuple doit avoir une vision, un peuple doit avoir une vision et un peuple doit savoir où est-ce qu'il va. Moi, je viens réagir, franchement. Quand on nomme cette même personne qui a travaillé longtemps avec Abila, qui a été avec Abila, Monsieur Bayansi, Sikou, je sais ce qu'il est. Il est, c'est un monsieur qui fait son travail. Il y en a qui vont dire oui, c'est l'État tout, 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 mais non. Il faut réfléchir. Quand un président arrive, il doit faire son équipe. Je dis, quand un président élu, pas un président nommé, un président élu, quand il arrive, il doit faire son équipe. En France ou aux États-Unis, quand Macron est arrivé en France, il a ramené son équipe. Mais ce n'est pas ce que nous voyons au Congo aujourd'hui. Et donc, moi, je me mets en porte-à-faux. Vous n'allez pas me traiter de dire oui, François-Louis, non, comme vous m'avez traité hier. Hier, j'avais relayé seulement l'information. J'avais dit, le peuple a demandé, a donné le mot d'ordre. Parce que les, les leaders n'arrivent pas à donner un mot d'ordre. Mais c'est que vous oubliez, la même constitution que vous êtes en train de dire, la constitution nous dit ceci, mais la constitution a donné aussi. Comme vous êtes là, vous servez tout ce que les gens font, vous êtes partout. Mais vous faites quoi là Vous faites, vous rendez pas les services à ces présidents, mais vous les détruisez, vous les détruisez vous-même. Vous ne les rendez pas service. Et nous, nous allons mobiliser les combats. Le combat doit continuer, mes frères. Parce que la situation, elle n'est pas, pas vraie. Il y a une fausseté. Nous avons les informations de par-ci, par-là. On nous dit clairement que François, moi j'ai vu les Congolais courir au Congo. Ah, ton c'est va projet nanana. Mais attends, qu'est-ce que vous croyez Hein Quand le président nommé, il est dans sa chambre, on sait ce qu'il fait. Vous croyez que ça, c'est le pouvoir vous croyez que moi, étant François Congolais, lui, il est Congolais Vous croyez que nous allons accepter ça Bonjour mon frère. Mais nous devons parler, Moudiata, parce que la, la situation, nous devons comprendre que nous ne luttons pas contre le Félix, mais nous luttons contre le système Kabila qui est derrière Félix. Nous allons continuer à lutter à cela. Si vous n'allez pas nous écouter, vous allez vous-même être responsable de ce qui va arriver. Arrêtons, arrêtons, s'il vous plaît, d'être des fanatiques. Soyons des hommes et des femmes qui réfléchissent. Moi, j'ai beaucoup regretté. J'ai connu des gens dans les combats. Il y a des années. Mais quand je vois ces gens-là, comment ils se comportent sur les nettes, je regrette infiniment. Félix n'est pas en sécurité. Je vous le dis sincèrement. Tout ce qu'il fait est contrôlé. Il n'a pas les mains libres. Donc pour nous, il n'est pas encore devenu président. Et nous n'allons pas courir dans ses bras, dire que oui, Félix, vous croyez quoi? Moi, je n'ai pas d'amour pour lui. Non. C'est pas parce que c'est un ami ou quoi. Et je vais dire oui à tout. Parce que moi, je le suis. Je vais dire oui à tout. C'est ça qui détruit le futur de notre pays. Parce qu'il y a le clientélisme. Hein? Les gens veulent se faire connaître. Les gens veulent se faire toujours qu'ils puissent avoir la première place. Non, mes frères. Moi, je ne suis pas dans cette option-là. Moi, j'ai fréquenté l'IDPS. Bien que hier, j'ai été combattu, j'ai allé voir dans mon mur ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont dit. Parce que j'ai relayé l'information. J'ai seulement dit, le peuple veut ceci, il a demandé ceci. J'ai dit, le peuple demande les armes. Les autres me disent, oui François, tu fais incitation à la, à la, à la, à la rébellion. Mais non, je ne fais pas l'incitation à la rébellion. Mais j'ai fait l'incitation à l'article 64. Parce que le pouvoir est entre les mains de Kabila aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour que Kabila continue. Kabila est dans l'ombre de Félix. Et Félix, tu dois comprendre que Kabila est dans l'ombre. Et vous n'allez pas me convaincre, me dire que oui, viens seulement, on va travailler parce que non, nous allons mettre fin à ce système. Et ce système que nous combattons depuis des années. Et là, aujourd'hui, j'ai dit à mes frères combattants de la diaspora et partout du monde, levons-nous encore parce que là, c'est le vrai combat. Kabila, c'était mal nécessaire, qui nous a dévoilé ce qui s'est caché parmi nous, ces gens-là qui étaient avec nous, soit disant nous combattions avec eux, mais qui travaillaient au service de l'IDPS. Et l'IDPS, nous étions dedans. Moi, François, vous savez ce que j'ai porté à l'IDPS. Quand je vois mon vieux, que j'ai du respect, venir me dire, oui François, qu'est-ce que tu fais Mais c'est mais, mais, Ali, mais tu es venu, tu me connais, tu connais mes valeurs. Ali, Ali vous n'aidez pas Félix tu sais très bien vous même ce que vous m'avez fait quand j'étais avec vous si je le dis aujourd'hui à la population vous croyez quoi vous croyez que tout est permis nous allons pas nous laisser faire nous allons aider dans notre façon si vous le voulez bien aider Félix s'il veut bien mais nous allons, nous allons pas nous donner comme ça et nous appelons le peuple vous parlez du peuple Ali, tu te permets de me dire, à moi en, France, en beaucoup, oui, tu, vas, tu appelles à l'incitation à la rébellion, tu verras les peuples sur ton, sur ton chemin. Quel peuple que tu parles De quel peuple De quel peuple, Ali Kalonga, tu parles, toi Dis-moi, de quel peuple Je dis respect pour toi, mais dis-moi, de quel peuple tu parles Le peuple, vous l'avez vu hier avec Martin Faulou, à Saint-Thérèse. On, on ne gouverne pas contre un peuple. On ne peut pas se mettre un peuple derrière son dos. Je pense qu'aujourd'hui... Vous avez rallié FCC de Kabila. Vous êtes avec Kabila. Et nous, nous sommes avec le peuple. Et nous allons rester avec le peuple. Et nous allons continuer le combat. Et nous allons arriver au Congo. Sans vous. Qu'est-ce que vous croyez? Nous avons les infos. Félix n'est pas en sécurité. Je vous le dis sincèrement. Quand fait tout ce que Félix fait, Kabila le sait. Je vous le dis sincèrement. Vous prenez Kabila pour qui? Pour l'enfant de cœur? Aujourd'hui, avec tous les morts qu'on a subis dans vos régions de Kassai, et vous oubliez cela à cause du pouvoir Non, j'ai dit non. Je, je suis un homme debout et j'y resterai un homme debout. Et nous allons continuer le combat. Si vous voulez qu'on puisse marcher ensemble, voilà la ligne. Vous devez arrêter votre tribalisme. Partout, vous êtes en train de montrer que. Mais, mais attends, mais c'est la honte. Le Congo, ce n'est pas que des baluba. Le Congo, c'est le nord, le lest, l'ouest le, 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 le le et partout. Arrêtez ce, ce que vous êtes en train de faire là. Je vous ai déjà dit qu'il faut arrêter ce que vous faites. Moi, je vous dis des choses en face. Quand, 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 quand un frère de Kinshasa avait dit ces choses-là, vous l'avez taxé, mais vous, vous avez le droit d'insulter les gens, mais les autres n'ont aucun droit de parler. Mais vous allez nous trouver. Nous sommes debout et nous resterons debout. Nous allons pas nous courber devant vous. Le Congo n'est pas que pour vous. Vous êtes un peuple. La République démocratique du Congo est construite par plusieurs tribus. Pas que votre tribu. Et vous voulez quoi Piétiner tout le monde Non. Nous disons non. Maintenant, vous devez arrêter. Et nous sommes là debout. Si vous voulez qu'on construise ensemble, calmez-vous. Et j'appelle ici ceux qui sont auprès de Félix de lui dire, de dire à ces moutons d'arrêter. Parce que hier... Moi, j'ai relayé que l'information, j'ai dit, le peuple a donné les mots d'ordre. Allez voir sur mon mur, c'est que les même personne, le même nominatif de nom, c'est qu'ils sont en de faire. Mais non, nous allons pas nous laisser abattre. Le combat doit continuer. Et ici, j'appelle les combattants de se lever maintenant. Nous avons, nous avons compris que nous avons été floués pendant plusieurs années avec ces combats. Nous avons été infiltrés par les gens qui travaillaient. Pour l'intérêt d'un parti, mais pas pour l'intérêt du Congo. Et là, je pense à des gens comme des Odombo, des Boketu, tous ces gens-là qui parlent. Ils ont droit de parler. Et ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Moi, j'ai été combattu au sein de l'IDPS, mais je vous ai jamais répliqué ce que vous m'avez fait. Alors, quand je vois, mais c'est Ali, tu te, tu te, permets de dire ceci. Que oui, François, tu incites les gens à la rébellion, tu trouveras le peuple sur ton chemin. De quel peuple tu parles? Le peuple n'est plus avec vous. Parce que vous, vous êtes en train de protéger les loups. Les loups sont encore dans la bergerie et nous n'allons pas nous laisser faire. Ne croyez pas que nous allons venir nous incliner par votre pouvoir mal, le pouvoir donné, le pouvoir nommé, qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de respect. Quand vous partez quelque part, les gens se moquent de vous. Nous, nous sommes. Nous écoutons les diplomates, ce qu'ils nous disent. C'est la honte. Vous faites la honte. Nous devons, nous devons élever l'équivoque de notre peuple et de notre pays. Nous devons amener l'honneur et la dignité à notre peuple. Et nous ne devons pas au nom du pouvoir. C'est quoi ça? Arrêtez quand même. Donc vous voulez tout oublier. Les massacres des pour vous vous oubliez. Kabila aujourd'hui, c'est votre père, c'est votre frère, c'est votre tout. Et quand vous commencez des choses, vous mettez votre langue. C'est quoi ça? Et nous autres, quand nous allons mobiliser les gens, vous allez dire quoi Vous allez dire ça, c'est le racisme Non. Il faut arrêter. Vous êtes en train d'aller dans un terrain glissant, nos frères. Moi, j'ai des vrais amis de Balouba. Que j'aime beaucoup, qui sont respectueux et qui sont indignés de ce que vous faites là. Et je regrette. Il y a des vrais balou en Bazali, en Bia. Et vous faites de la honte des gens. Vous faites la honte. Le Congo, c'est nous tous. C'est pas que vous. C'est nous tous. Est-ce que vous avez déjà vu dans les Bas Congo? Je vais parler de ma région. C'est vrai. Vous avez déjà vu un, un premier ministre qui a fait des, des conneries comme vos premiers ministres font? Arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Moi, je vous dis sincèrement, comme vous me rentrez dedans, je vous rentre dedans. Vous, je prends les Congolais à témoin. Allez-y voir sur mon mur ce que ces gens-là font. Mais je ne me laisserai pas abattre. Moi, je resterai debout. Parce que vous, vous ne pesez pas. Vous êtes que des fanatiques. Si Félix comprend ce que je lui dis, en 2014, j'étais avec lui à Bruxelles. On buvait avec lui. Il buvait, il, buvait, il a laissé son verre. J'ai pris son verre, je lui ai dit. Il s'en souvient. Il m'a dit François, merci. Moi, je ne trahis pas mes amis. Il a dit. Mais vous croyez que vous, vous lui rendez le service, vous ne lui rendez pas le service Si nous ne nous parlons pas, Kabila n'aura pas peur. Il faut que nous puissions parler. Quand j'ai vu les combattants, il y a d'autres qui sont descendus à Kinshasa. Pour faire quoi Vous croyez quoi Vous allez avoir les postes là Non, ce n'est pas le moment. Le Congo n'est pas encore libéré. Mais nous faisons tout notre poids pour libérer ce peuple qui souffre, ce peuple qui pleure. Les gens ont leur droit de donner leurs opinions. Mais vous, vous avez pas... Le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent, doivent suivre. Vous n'avez aucun droit. Et moi, je vous le dis en face. Vous devez arrêter. Parce que ce que vous faites, vous êtes en train vous-même de devenir des minorités au Congo. Moi, je regrette. Moi, j'ai des amis. J'ai un ami qui est de la région de Kassai qui m'a appelé. Il m'a dit il m'a dit, Président, tu continues le combat. Continuons le combat. Vous êtes dans les salles de mais vous voulez faire comprendre. Et ça, D'abord, il faut avoir la reconnaissance. Moi, j'étais avec vous, Ali Depes. Vous savez ce que vous avez écrit Si Karel Maïso peut témoigner, il est témoin du courrier que vous, vous avez écrit à quelqu'un, le mail, et je l'ai le mail là, je l'ai. Vous avez écrit qu'on barre la route, c'est Fonsambou. Qu'est-ce que vous avez vu de moi Que oui, Félix était... Là, c'est en 2004, 2012 13 je crois. Oui, Félix est bien taillé pour les vêtements, pour les, 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 les jobs. Ça, c'est toi, Ali, et viens, Marcelo. Vous l'avez dit, les vieux que les autres qui ne connaissent pas Marcelo, c'est celui-là que vous avez vu en fauteuil roulant de, dans le podium. Tous ces gens-là qui ont fait du mal au Congo. Maintenant, vous devez arrêter, s'il vous plaît. Nous sommes debout et nous ne vous laisserons pas faire. Jamais. Le Congo est à nous. Ce n'est pas à vous. À vous et à nous. Aujourd'hui, vous, vous faites comme si le Congo est qu'à vous. Non. Nous devons vous barrer la route. Quand Ali, tu viens me parler de la rébellion, je te dis, moi. Je vais te parler de l'article 64, de barrer la route et de quel rébellion, de quelle façon vous vous avez reçu le pouvoir, de quelle façon, de quelle façon. Quand aujourd'hui on voit Monsieur Monsieur qui est encore là, les, les, la main droite de Kabila est en train de suivre Félix. Tu vois, moi je vais aller, je vais aller acclamer, dire que oui président. Non. Ce qui Félix a dit, ça a cache ni ça bien. Alors, ah bande des bateaux c'est la vérité. Et Kabila doit savoir qu'il n'est pas isolé, que les Congolais se mobilisent pour nous remettre à Merci, M. Pila. Coucou. Donc, nous ne pourrons pas nous laisser faire. Vous dites quoi Qu'est-ce que vous croyez Les pouvoirs, ces pouvoirs qu'on ne respecte pas les présidents. Martin Fayon n'a jamais reconnu qu'il qu était, qu était perdant. Ça ne vous dit rien du tout dans la démocratie. Il faut que ton adversaire puisse reconnaître qu'il a perdu. Il n'a pas fait. Et vous voulez me faire quoi Quoi, quoi Comme ça, Non, nous devons dire, le système boutiste, le système kabyliste, il faut tout tenir au fin. Moi, j'ai pris ma position. Je resterai dans cette position jusqu'à ce que nous verrons que, changement est si côté, s'il y a un changement réel et que le président qui est en place, qu'on a nommé, prend les décisions importantes. Pour l'évolution du pays, pour la pacification du pays, pour tout ça, nous allons avancer. Mais ne croyez pas aussi que vous êtes major... Et Je vais vous apprendre quelque chose. Viens Ali Ozali, tu, vous êtes un journaliste. Je vous dis franchement, mon vieux, avec beaucoup de respect que j'ai. Je vous ai promis hier. Hein. Je vous ai dit, je vais vous parler. Et moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Et je vous ai dit que demain je vais vous répondre. Et je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Et je vous dis ceci. Mais c'est Ali Kalonga, vous êtes un journaliste. Mais ce que vous faites là, vous détruisez vraiment le travail de votre frère Félix. Vous détruisez ce travail. Au lieu de, de, de dire aux gens que Bandekon, au lieu de trouver comment nous allons faire la cohésion totale avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé c'est quoi Il y avait la fraude, il y avait la tricherie, il y avait l'usurpation, il y avait la nomination. Et faux usage de faux. Ils ont dit que un délit. Pour les. dit que juriste. Pour les... Il est venu m'attaquer hier. Il dit Oui, ils seront tous mis. Qu'est-ce que tu crois Le Congo, ce n'est plus le Congo de demain. Quand la femme de Kabila a parlé, j'ai compris pourquoi il parlait. Parce qu'il savait déjà que c'est un délit. Maintenant, nous, nous vous avons identifié. Vous n'êtes plus dans le combat ici en Europe. J'appelle tous les combattants. L'IDPES n'est plus avec nous. L'IDPES est avec FCC. Nous tous, vous nous avez combattis. Vous hein? voyez bien, très bien. Kerwin Maïzo est témoin, il peut témoigner aujourd'hui. C'est un frère, il va témoigner. Il était témoin de ce que vous m'avez fait, malgré le bien que je vous ai fait. J'ai parlé deux fois avec Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi, ce n'est pas la vision qu'il nous a donnée. Et vous, maintenant, la voix que vous suivez, là, c'est la voix de qui J'ai parlé avec Papa Tshisekedi, ma maman est témoin. Moi. Papa Tshisekedi m'a dit des choses que j'ai toujours gardées jusqu'aujourd'hui en moi. Alors vous maintenant, ce que vous faites là, comment vous voulez nous imposer que nous puissions suivre ce que vous faites? Nous, nous vous disons niète. Et je demandais il y a deux, trois mois, j'ai dit à Kabila, à Kabila, s'il te plaît, nettoyez nous cette merde. Et bien là, je vous dis sincèrement, tenez bon de votre position, de ce que vous faites, de menaces que vous faites aux gens, vous croyez déjà au pouvoir, vous voulez faire pire que Mobutu. Mais l'idée pèse, c'était un parti pour nous tous. Mais comme vous, vous avez pris ces partis en otage pour vous, l'IDPS va suivre son frère MPR. Tenez ce que je vous dis. Et je n'ai pas peur de vous, sincèrement. Parce que vous, vous ne respectez pas les gens. Comme vous voulez nous amener, nous tous, à vous dire des choses en face, nous sommes obligés de vous dire des choses pour vous faire comprendre que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. L'autre là qui est aux États-Unis... Avant de commencer ces trucs, mais vous êtes en train de vous ridiculiser. Nous sommes un peuple. Nous avons plus de 430 ethnies. Le Congo c'est l'ensemble des, des, des tribus. Maintenant Bino, vous voulez quoi Vous voulez vous faire quoi Moi je connais des parties de Tibango, Azemo Mais quand vous voyez partie Chibang comportement naïf. C'est lequel Bino besoin ça là s'il vous plaît. Tolobi la Bino, maintenant, je pense qu'il faut vous dire des choses en face. Faut arrêter. Touvanda Vous Bomoko, toluka neni tokode ndekona Bino kota buzoba. Kabila n'est pas parti. Kabila n'est pas parti. autre qui peut s'équiter à Félix. Mais il fait quoi lui là? Vous ne savez rien. Alors, où est vous taxez que oui, tu fais l'incitation, tu trouveras le peuple. Quel peuple Le peuple n'est plus avec vous. La minorité, on va on eux qui restent. Il n'y a plus le peuple avec vous, l'IDPES. Vous avez trahi le peuple. Vous êtes sortis dans l'idéologie des papas de secret que nous, nous avons récupérés. Et nous allons continuer cette idéologie-là. Les peuples d'abord, mais ce n'est pas les ventres d'abord. Et je vous le dis en face. C'est quoi ça En 2011, on vous a aidé, on était là. Non, même les prêtres, vous les insultez, vous en Mais attends, non, pas jusque-là. Et les signes que je vous dis, faites attention, mes frères. Vous n'êtes pas en train d'aider Félix, mais vous êtes en train de les désta déstabiliser, les détruire. Vous-même, les frères Balouba. Moi je connais, je suis fier d'être les amis, des vrais amis bazaba luba. Mais vous là, arrêtez s'il vous plaît. Vous menacez qui là Vous menacez, vous me menacez moi Vous n'êtes vous pas encore né, je vous dis sincèrement. Vous allez menacer qui Moi je le dirai tant que Kabila sera derrière Kabila, derrière, derrière Tshisekedi. Je ne veux pas rejoindre Tshisekedi. Je veux rejoindre Tshisekedi le jour que je verrai Tshisekedi agir comme un vrai président. Pour l'instant il n'est pas un vrai président, il est nommé. Parce que quand je vois ces messieurs-là, Beyasikou, qui a travaillé dans l'ombre de Kabila depuis longtemps, si on lui confie encore la sécurité de Félix, s'il vous plaît. Et vous savez que Kabila contrôle, même à 600 mètres, à 300 mètres, tous les appartements que vous avez là. Est-ce que vous le savez, vous Hein Alors, au lieu de vous amener des bêtises ici, moi, je vous interdis de venir ici, mon mieux, pour dire n'importe quoi. Je vous interdis. Tu verras les mêmes noms, les Kamoala, les Kassenda, les Mpinda, les, les, les ça, ça, ça. Mais attends, les Kalombo, les, les, les Chou. Mais il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Soyons des hommes. Nous, nous sommes des hommes debout. Et nous allons rester de la tête, pas courbée, mais de la tête dressée pour notre peuple. Et nous allons nous battre pour ça. Félix, je n'ai pas de problème contre lui, tant qu'un ami, tant qu'un frère. Mais derrière Félix, la réalité c'est qu'il y a Kabila. Et nous, nous n'avons pas fini notre combat avec Kabila. Le jour que nous allons finir notre combat avec Kabila, c'est le jour que Kabila sera arrêté, sera mis. Vraiment, il sera traduit en justice, qu'il sera arrêté. Qu'est-ce que vous croyez Vous êtes parti à Kinshasa, Vinons, où vous avez couru, les hommes sans valeur. Et qu'est-ce que vous avez eu Rien du tout. C'est la honte. Respectons-nous. Même dans ma famille, même dans la 17, je veux vivre. Je veux vivre bien, mais avec ma dignité et avec mon honneur. Je ne donnerai pas mon honneur à quelqu'un. Quand vous voulez faire le mal, transformer le mal en bien, ça ne se fait pas. Jésus a transformé l'eau en vain, mais le mal pas, ne peut pas se transformer en bien. Ou bien le bien en mal. Non. Je m'adresse à vous. Donc, je vous dis, arrêtez vos tribalismes. Moi, je vous invite jamais sur mon mur. Si vous avez des choses à dire, vous croyez déjà voir tout, ben vous allez maintenant nous faire chanter, nous vous, vous allez nous faire parler à Tuluba, Et il y a beaucoup de Balouba qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, j'en parle avec eux. Mais c'est triste. Parce que ce que vous faites là, vous détruisez tout. Donc, vous arrivez à un niveau où nous n'avons nous aucun droit de donner, de donner notre opinion. Parce que vous, vous êtes des, des fanatiques. Moi, je ne me laisserai pas faire. Vous connaissez mes valeurs. Moi, je regrette, mon vieux. Ali, tu ne pouvais pas me parler comme ça. Parce que toi, tu me connais, tu connais mes valeurs. Tu es venu me chercher en 2014, 2000, je sais pas quoi. On a dit ça. Toi, blanquement. Tu sais ce que moi j'ai porté. Si papa a été récit en 2000 avec ce qui s'est passé à le 14e sommet de francophonie à Kinshasa. Demandez à tous de, mes vieux, à à, 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 Lévi, à, à tous ces gens-là, de vieux bongos, tous ces gens savent, savent ce que j'ai porté. Et lui, il sait, et vieux Tisekedi savait, Viens, viens, vieux, comment on comment l'a laissé. Il est vivant, mon l'a laissé, il lui demandait. Mais comment vous, vous devez tourner votre veste du jour au lendemain? L'idéologie de Tissékedi, on le jette dans l'eau à cause du pouvoir. Non. Tissékedi n'a pas pa formé que les balouba. Tisekedi a formé toute la République. Moi, je les revendique, j'ai des valeurs de cet homme-là. Mais Tisséret ne vous appartient pas que vous. Ce n'est pas parce que Tisséret n'était pas, pas tribal. Hein? Non, loin de là. Même Félix n'est pas tribal. Mais Bino il y a un tribalisme, là, C'est vous les tribales. Félix n'est pas tribal. Hein? Moi, je, je le fais quand. C'est un homme simple. Il sait vivre avec les gens. Mais il est mal. Il, il est dans le mal drap, là. Il faut le sauver, il faut l'aider si on peut le faire. Mais on peut. On le fera seulement si lui, il vient nous chercher. Mais nous, on ne va pas aller courir comme vous, vous faites là. Non! Nous allons l'aider si vraiment les choses vont. Nous allons l'aider. Mais moi, ce que je dis, c'est la vérité. Et la vérité finira par triompher. Et vous devez réparer avec les évêques. Vous avez insulté l'Église catholique qui vous a aidé pendant plus longtemps. L'Église catholique qui est au Congo pendant un centenaire d'années. Et vous, aujourd'hui, à cause du pouvoir, vous commencez à insulter Cholet. Vous commencez à menacer Cholet. Il faut arrêter. Merci, mon frère Mushinga. Merci beaucoup, Jackson. Merci. Parce que c'est vrai, mes frères. Vous voyez, nous, nous sommes tous des Congolais. Hein? Yosa Moulouba, regarde, tu es Moulouba. Mais tu m'écris. Tu me dis, salut, cher frère François Pourquoi tu m'écris ça Tu ne m'insultes pas. Mais tu m'écris. Parce que j'ai dit des choses vraies. Mais ces gens-là, vous maintenant, mes frères, les Balouba, mettons-nous ensemble. Les vrais Balouba Congolais, mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Parce que Batouana, ils veulent ramener encore Bilouko à Kalawana. nous allons nous mettre devant eux. Ils me menacent parce que j'ai réélé l'information. Je dis seulement que non, le peuple devant Fayoulou, le peuple a demandé, donnez-nous les armes pour chasser les imposteurs. Mais les imposteurs, ils se métamorphosent, ils changent tous les jours. Ils ont goûté le miel du Congo. Souvenez-vous un moment où je parlais de la région. Nous devons oui. aller au niveau de la région. Vous avez insulté les Rwandais. Mais vous croyez que ce qui se passe là-bas, c'est les Rwandais qui le font chaque fois. C'est maintenant les Rwandais qui viennent en Mais non. Tout, mais arrêtons de dire oui Rwandais, 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 arrêtons cette histoire-là, c'est fini. Maintenant, nous devons prendre notre pays, nous-mêmes les Congolais. Arrêtons. Kabila n'est plus avec les Rwandais. Est-ce que vous le savez? Mais vous croyez quoi? Ils sont partis négocier pour le, pour livrer les, les, les FDLR pour que Kagame ne vienne pas. Arrêtons la vérité. En plus, vous là. Est-ce que les Congolais sont au courant que M. Katumbi et eh Bemba ont beaucoup porté dans ces combats? Est-ce que les Congolais sont même au courant? Mais par contre, vous les diabolisez chaque fois, vous les insultez. Oui, Soriano, oui, boy, 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 vous vous insultez. Mais Katumbi a beaucoup pesé. Katumbi vous a aidé, Katumbi vous a nourri. Mais aujourd'hui, vous tournez le dos à Katumbi. Mais non, même Dieu nous dit, soyons reconnaissants dans la vie. Aux autres, même les prêtres qui vous ont aidé, les évêques sont même pas venus à la nomination du président. Ça ne s'est fait jamais, ça ne s'est jamais fait au Congo. Mais tout ça, ça vous dit rien. Pouvoir, c'est pouvoir. Allez, toi qui pouvoir, on pouvoir. Mais non, on va pas vous laisser faire comme ça. Non. Nous tous, nous allons pas rentrer dans vos conneries. Nous allons pas rentrer dans vos bêtises. Mais alors, nous allons utiliser l'article 64 si vous, vous êtes avec Kabila. Nous allons utiliser l'article 64 contre vous. Parce que vous êtes avec Kabila. Tant que Kabila sera avec vous, nous allons utiliser cet article-là. Et nous j'appelle ici, je mobilise. Et en plus, je vais vous donner une révélation. Est-ce que vous savez que vous, dans l'armée, vous êtes minoritaire Vous qu'il y dans l'armée, vous êtes minoritaire Mais arrêtez de mettre Félix dans la merde, s'il vous plaît. Arrêtez Vous êtes minoritaire. Et nous allons dire aux militaires... Si ces gens-là, ils vont continuer à faire ce qu'ils font, nous allons leur dire de faire quelque chose contre ces gens-là. Ne croyez pas que l'armée congolaise est nulle, hein? Et puis tu te permets de dire oui, tu viens, tu viens n'importe quoi, tu viens me dire oui, tu incites les gens à la rébellion, tu trouveras les peuples. Quel peuple que vous avez manipulé pendant 32 ans, 35 ans, et vous, vous êtes en train de marcher avec Abila partout, et aujourd'hui, vous dites quoi vous avez marché avec Kabila, vous avez mangé avec lui depuis. Kabila, je te dis, merci. En qui, Congo, on dit, Matondo, Kabila, demande à ta femme qui est de chez nous. Son père, je sais pas qui est de moi, là-bas, il va te dire, je te dis, Matondo. Matondo, c'est quoi? Merci. Parce que tu nous as aidés à identifier les vrais méchants, les vrais ennemis de Congolais. De ceux qui vont, qui ont fait beaucoup du mal au Congo. Et nous, nous, c'est que nous voulons la restauration de la République. La restauration de l'homme Congolais. Et donner la dignité et l'honneur à notre peuple. Que nous puissions nous faire respecter. Mais pas d'aller coucher comme ça, comme vous, comme vous faites, vous. madame Dangoulou, vous n'avez pas honte de vous. Quand un homme responsable écoute celui qui lui donne un bon conseil, mais n'écoute pas les gens de la cour, les gens de la cour, c'est eux qui vont t'amener au tombeau. Voilà ce que nous voulons. Nous n'allons pas perdre de vous. Nous ne nous voulons pas, nous si, nous, si moi je rentre dans votre façon de faire là, d'aller dire au Congo que, ah, Bakongo congo Non, moi, je pas dans cette optique-là. Mais ce que je vous dis, je vous donne l'avertissement, ça, c'est deuxième avertissement. Troisième avertissement, ça sera plus pareil. Je vous le dis. Vous n'allez pas dire, oui, la loi. Et l'autre, la capitaine est là, mais franchement, mais... Non, il y a un capitaine ne mon tour, au-delà de Belgique, au-delà sérieux, mais je te vois vraiment, ce que tu fais, c'est très grave. Vous avez... T'as là, si binoko. Je vous dis sincèrement, ce que vous faites là, c'est dangereux pour la République, s'il vous plaît. Une poignée à c'est quoi ça Arrêtez vos bêtises là, je vous dis sincèrement. Je ne des personne moi, comme vous êtes à Binonios, Nabinon, Ah, on n'a pas de rien du tout. J'ai je je, droit à donner mes opinions. J'ai droit à dire ce que moi j'ai à dire. J'ai des idées de papa Tisekedi Et vous n'allez pas aujourd'hui dire que Tisekedi n'est plus avec vous parce qu'il est mort. Vous n'allez plus le dire parce que c'est lui l'homme qui a porté la vision. Et vous, vous sortez de la vision. Vous vous êtes aujourd'hui, que s'il revient, il ne va même pas vous dire bonjour de ce que vous avez fait. Et les signes que je vais vous donner, si vous rap rapatriez son corps, les gens pourraient venir par amour de qu'il mais pas par votre amour à vous. Vous êtes des vrais traîtres. Vous êtes des vrais traîtres et je vous le dis en face. Vous êtes des tracts, vous savez que vous avez fait d'aller dire « Kabila, c'est votre frère Kabila, c'est cela, Kabila, c'est cela. Non, c'est faux. Même au niveau de la diplomatie, les gens dans la chancellerie nous disent mais on n'a pas compris François ce qui se passe là. Quand toi tu vas aller accepter tous les mal, tu dis que oui 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 oui, même si le mal est là. Mais non, Kabila, tu ne vas pas rester longtemps derrière Félix. Nous allons te déloger. Tu ne vas pas rester longtemps, Kabila. Nous savons ce que tu veux. Tu as joué un rôle de nous montrer maintenant le mal. Maintenant amène-le au bout. C'est nous qui te demandons. Parce que nous, nous c'est nous. La fin de la chose. C'est nous. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas ça. Donc, je vous donne des avertissements et je vous dis d'arrêter, s'il vous plaît. Et je ne vous invite plus dans mon mur. Nous allons être nous tous méchants et durs avec vous. J'étais trop gentil comme un mouton. Gentil, mais Non, je vous dis qu'avec vous, ça ne sert à rien. Avec vous, il faut la chicote. Et je n'ai pas peur de vous. Hein. Je vous dis sincèrement. Tu viens dans mon mur pour m'insulter, J'ai pas besoin. Ici, c'est des gens qui réfléchissent. Si tu viens m'insulter, c'est que tu es un con. Je vous parle cruellement aujourd'hui. Pour que vous arrêtiez vos bêtises. Vous m'avez fait du mal à l'IDPES, non? Yo Ali, yo vi Ali, Yo oh, Biango, oh, viens Marcelo. Il le sait, non? Qu'est-ce que je n'ai pas porté? Je vous vous m'avez invité partout, non? Je suis venu, je fais ce que j'avais à faire. Je vous ai porté plus. Qu'est-ce que vous m'avez payé ou qu'est-ce que vous m'avez fait du bien Si ce n'est pas le mal que vous, vous donnez aux gens. Quand les gens vous font du mal, vous êtes irréconnaissants. Qu est que, quel est ce système-là? Même Mobutu qui était mauvais, Mobutu était mieux que vous. Et vous, vous voulez quoi? Vous voulez encore instaurer le mal au Congo? Nous vous disons non. Parce que vous êtes parmi les tribus, mais vous n'êtes pas le plus haut des tribus dans le plan Congo. Vous êtes pareil, nous tous, nous sommes pareils. Au Congo, Congo j'informe à l'opinion publique internationale que le Congo est construit sur 430 tribus et, ou plus, mais ces 430 tribus, il n'y a pas un tribu qui est au-dessus de l'autre. Nous tous, nous sommes pareils. Maintenant, vous. Vous voulez montrer que c'est vous Moi j'ai des amis. Je suis fier d'avoir des amis de Balouba. Des vrais. Pas vous, des faux. Vous avez un faux bateau. On tue, on massacre chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait vous là Et c'est nous qui combattons ici, qui criez partout, qui allons dans les chancelleries pour dénoncer. Et vous, vous êtes en train de courir aujourd'hui. Kabila n'est plus mauvais. Kabila doit passer au tribunal. Kabila doit, doit rendre compte de sa mauvaise gestion. Et déjà, vous avez pris le pays à quel état, dans quel état Hein vous avez pris le pays dans quel état? Mais vous dites que oui, nous faisons la coalition. Quelle cohabitation? Martin faulou il est ce qu'il est. Vous l'insultez. Vous dites ceci. Que Martin Faulou, bien noté. Ah! Et vous commencez même à inciter euh, 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 l'abbé Cholet. Mais il faut arrêter vos conneries vos bêtises. Là. Nous sommes en train de vous dire ceci en face. Le peuple n'est plus avec vous parce que vous l'avez trahi. En, au même endroit, je vais vous rappeler, au même endroit, à Saint-Thérèse. Qu'est-ce que vous avez dit il y a quelques mois Qu'est-ce que vous avez dit il y a quelques mois Vous avez dit oui. Vous croyez quoi Nous, nous allons nous coucher pour vos conneries. Un homme d'État ne change pas ses paroles. Un homme de toi doit, avoir, doit être un vertébré. Il doit réfléchir, il doit avoir sa personnalité, il doit prendre ses propres décisions, il ne doit pas être manipulé par les mêmes personnes qui ont tué ses frères. Et moi, je ne vous laisserai pas faire. Et j'appelle tous les combattants de se réveiller maintenant. Eh ben là, je dis, Odonbo, oui, tu y avais vraiment l'information. Tu nous disais des choses, mais on ne te croyait pas un moment. Mais là, on te croit, mon frère. Il faut continuer le combat. Je remercie tous les gens. Babin, Odon, Sali, Boketou, Christian Bola. Euh, Guillaume Poubois, je remercie euh, Pitu Chumon, tous ces gens-là qui continuent le combat. Nous, nous ne commandons pas le pouvoir. Mais quand, peut-être un jour si les choses changent, tenez bien ce que je dis. Nous allons rejoindre ces gens-là pour travailler ensemble. Nous ne refusons pas de se rassembler. Nous ne recevons pas, nous ne refusons pas d'être ensemble. Mais le loup est encore dans la bergerie. Le loup, il s'est déguisé en, en, en brebis, mais il va vous bouffer cru. Je vous le dis beaucoup la vidéo il y a quelques jours quelques mois Je vous le dis si les gens n'ont pas eu le courage de vous dire des choses en face moi François Mboukouka, ça je vous le dis en face sans rancune tant qu'un homme debout un homme dressé J'ai une éducation j'ai des bases Nous n'allons pas vous accepter de venir avec les mensonges qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants Qu'est-ce que nous allons dire le monde qui nous regarde quand nous nous partons Quelqu'un nous dit Ah mais François c'est toi comment ça se passe comme ça La honte, que le mal, la continuité du mal. Kabila est venu avec le mal, il veut continuer. Les mensonges à mensonges, les mal à mal. Comment nous allons reconstruire les pays avec de telles bases Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Nous allons rejoindre un jour si on nous dit bon venez nous allons faire la réconciliation, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Oui. Mais si c'est comme ça avec Kabila, nous n'allons pas venir. Donc, nous allons souffrir en, en Europe, continuer à souffrir parce que nous sommes, nous resterons dans l'opposition. Voilà, en bref, ce que je voulais vous dire, mes frères, sans rancune. J'ai suivi aussi, Babel commence à dire des choses, on a commencé à l'insulter, il faut arrêter. Nous sommes tous des Congolais, vous avez déjà vu dans, dans les tribus de, 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 de gens qui sont toujours entre eux dire que oui, 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 nos non, nous sommes des Congolais qu qui noirs.

Et je demande aux amis de la diaspora, combattants, combat dans la nécessité. Je remercie spécialement Patrick Chibango. Yo, à tes Congolais à solo. Et je te remercie, mon frère. pour Yo, combat dans les vrai. Et moi, je le dis, mais tiens, comment Ce gars-montent à continuer à être dans le ballet, mais non, il faut arrêter quoi. Bonico. Bisous Kinshasa. Si nous entrons dans votre jeu, vous serez seul dans votre coin. Et nous ne voulons pas que les choses se répètent comme Bakatangi <'en> Basalabino. Nous ne voulons pas ça. Hein? Non, moi ça me fait mal. Faut arrêter. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tisser la haine contre les gens. Hein? Les baluba, ce n'est pas tous les baluba. Malam Bazali a mon malam. Baso la magambino vous voulez quoi? Bah nos filles à baluba, nous Non, moi je ne suis pas d'accord que tous les baluba soient cités à cause de vous. Les il y a Malam, il y a bien Bazali. Et puis la plupart de baluba en plus, Basina mais Sukoyo, minorité, et tu verras les mêmes noms. Mais moi, je vous dis, arrêtez de venir sur mon mur. Je vous dis sincèrement. Donc nous, nous avons dit, c'est fini avec vos bêtises. Nous entrons maintenant dans les vrais combats. Dans ce sens-là, je dis, Kabila, merci, parce que tu nous as aidés aussi à comprendre qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. L'IDPS, tu n'as pas été sincère avec nous. Tu as menti. Parce que tu as marché avec Abila depuis longtemps, tu bouffais avec lui depuis longtemps, et aujourd'hui il a il a conclu les mal entre les mal. Pour conclure c'est quoi ma gamme Abi non? Alors Bino n'aime bosser ma gamme Abi non. Biso dosa Nous nous disons ceci. Je fais très bien la différence. Félix a fait frère n'abiso. To ko ko mana Félix a fait sa bimipa Abi il a fait sa zongi montoné to la. Mais ce qui Félix ça nos otage na yénégé bauto chela ici Je suis contre ça. Je suis le maître, ainsi que chargé en matière de sécurité. Mais quand vous comprenez la sécurité, c'est quoi Mais la nation est sur la randonnée. Avant le président a déplacé mon ta sécurité, j'ai négocié avec le président, est-ce qu'on a sécurité Mais bien sûr que sécurité kabila sécurité n'a pas le pouvoir, ou quoi Kabila a nommé, Félix a nommé son mouta sécurité. Kabila Nous vous disons qu'entre nous, nous sommes des vrais Congolais. Tu es ici au Gotala. Tu peux nous faire tout ce que tu veux. Nous... Nous voulons que la justice soit faite pour les crimes que vous avez commis au Congo, pour les crimes économiques, les crimes, les crimes humains, tout ce que vous avez fait avec, avec tous, ces, tous ces gens qui sont tout autour de vous. Nous allons vous dire que nous, nous voulons que la justice passe. Nous voulons la réconciliation et nous voulons la paix avec nous tous, avec tous nos voisins. Nous voulons stabiliser la région. Nous voulons gérer notre pays. Nous voulons marcher avec notre peuple. Nous voulons pas que nous soyons des gens comme des petits hommes là qui sont tout autour de toi. Tous ces gens là, inutiles, mende. Regarde aujourd'hui, ils sont devenus quoi? chibala. Mais quand tu fais, quand vous faites tout entre vous, aujourd'hui dans la région Bas-Congo, il y a quoi avec vous? Vous savez, t'es là. Vous savez ce que vous faites là. Nous, avec ce que nous connaissons, avec les contacts que nous avons, si nous osons de vous suivre, tout au Faites attention à vous. Ce que vous faites, c'est dangereux. C'est un terrain glissant. Ça, c'est la deuxième fois que je vous le dis. Alors, ça ne sert à rien que tu viennes me dire n'importe quoi. Oui, nous allons passer la loi. Au nom de quoi bah, Faux juriste. Au nom de quoi vous allez faire Kabila Vous êtes des juristes, non Pourquoi vous ne traitez pas Kabila en justice Conseil constitutionnel à Kabila. Ceni à Kabila. non. Maintenant, vous voulez quoi Nous, nous pouvons dire oui. Mais non, nous ne sommes pas d'accord. On vous a nommé toute la, toute la presse du monde entier et l'objet en haut. Les prêtres, vous les avez insultés. Ça, vous serez jamais pardonné de ça. Je vous le dis. Et ça vous coûtera cher, mes frères. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le Congo est à nous tous. Sans haine, sans rancune. Je vous le dis sincèrement en face. Et nous, nous ne parlons pas. Nous voulons que les peuples ou les militaires ou tout le monde puisse se rébeller contre ce que vous faites. C'est tout. Ce n'est pas appel. Et puis, tu vois la manipulation que vous faites là. Oui, tu fais appel. J'appelle les amis d'aller voir Simon m'ont Oui, tu appelles les gens, les citations, la rébellion, tu seras arrêté, tu feras les peuples. <laughs> Ma, madame. Lequel peuple tu parles Le peuple n'est plus avec vous. Je vous le dis sincèrement, le peuple n'est plus avec vous. Vous avez vu le peuple hier à Saint-Thérèse. Avec celui qu'ils aiment, et avec celui qui a gagné. Mais pas celui qu'ils ont nommé. Félix, si tu veux avancer, tu es déjà président, tu peux faire marche en arrière, trouver comment tu peux négocier avec tes frères, comment tu peux négocier avec tes frères. Bannir un peu tes gens-là. Tu l'as dit en plus avec ta visite quand tu es parti voir ta famille, tu avais dit que ce n'est pas parce qu'on a mon ou ça n'importe quoi. Et tu leur as même dit que vous êtes des ambassadeurs pour porter nos valeurs. Pour payer sa valeur à président. Mais ils sont en train de te détruire au contraire. Et ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi je vous interdis, vous là que je connais, dans Pexibi, nous avons un ami qui est là. Si ami c'est que vous ça là. ne venez pas. Je n'ai plus besoin de vous. Parce que vous ne portez rien au débat. Vous êtes là en train de porter des sottises, des bêtises. Voilà. Donc moi, ce que je vous demande sans rancune, la paix, la tranquillité. Comment nous allons sortir de cette situation soit encore, de ce trou Il y en a quelques mois, les autres ont dit ah, Félix a sauvé Mbok. Voilà, il va sauver Mbok. Il va sauver Mbok. Il faut plus aussi que tu aies sauvé des soldats, Ryan. <laughs>

et qui a aidé aussi les Congos. Bien que ne soient au-delà. Mais moi, je préfère quelqu'un qui se répand, qui a fait du mal hier, qui se répand, qui vient vers nous, que quelqu'un qui est avec nous, mais qui, qui fait du mal avec nous et qui ment. Qui est avec Kabila la nuit, le jour, il est avec les peuples. Non, ça, ce n'est pas bien. Alors, Kabila, je te dis seulement, merci parce que tu nous as aidé à identifier maintenant ceux qui sont avec nous ceux qui ne sont pas avec nous. Et vous aurez du mal maintenant avec les combats parce que nous vous identifions clairement et nous n'avons même pas peur de vous. Parce que vous êtes vous êtes vraiment des gens quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites. Félix vous a donné la voie à suivre. Il vous a dit Il vous a dit ça. Mais vous, vous ne comprenez pas ça. Vous, vous voulez maintenant être au-dessus de nous mais non, vous allez vraiment nous trouver. Vous allez nous trouver parce que ce que nous disons, c'est la vérité. Et cette vérité doit rester.

en tout cas, moi je vous dis sans rancune, je vous dis ce que je pense. Vous êtes venus hier sur mon mur dire ce que vous avez dit. Pour les Congolais qui veulent aller voir ce que eux ils ont écrit sur mon mur, Facebook Facebook, vous allez voir ce qu'ils ont écrit et ce que j'ai leur répondu. Ils m'ont même incité. Il y un faux pasteur qui veut même me dire que je n'étais pas intelligent. Ok, pour mes athées, toi tu es intelligent, c'est bien. Reste là. Parce qu'on s'identifie sur la tribu. Là, mais nous nous nous, nous, nous nous identifions pas pour les tribus, mais nous nous identifions comme Congolais et Kinois. Voilà. Donc voilà ce que moi je vous dis, c'est clair et net. Donc, nous avons beaucoup porté pour nous. Alors, nous avons besoin Et puis nous avons beaucoup porté à continuer à continuer à continuer continuer oh, continuer continuer ligne soki felix aza na kabiltokozala naye te ntngoflx akobimana iltoayai pour istant so alingietotood o pourons lefaire nossavonsealoy zalioyo tokosala pe toade bango arcee nde baanana boye mt asalaka poisoymasalaanidotoynoamapamolno